Te laisse pas berner par le nouvel Eden. C'est bon, en avant. Dire que j'ai eu de la chance. J'ai connu pire. J'ai cru que j'étais foutue. Avant tout ça, le Nouvel Eden était une secte dirigée par Joseph Seed. Il a empoisonné toute la région avec la grâce, sa drogue. Si vous vous approchez de son territoire, faites attention. Ce sera forcément bizarre et sûrement dangereux. Pour la mécanique dans la famille.
si on se mettait au travail? Entends-tu ma voix? Va là où tout s'est terminé et où tout a commencé. La seule chose qui m'inquiète, c'est la vie. On est le seul rempart pour leur éviter de devenir les esclaves des ravageurs. Ok, je suis là. Joseph Seed. Certains ici m'appellent le père. Voilà des années, j'ai entendu la voix de Dieu. Il m'a dit qu'un chemin difficile nous attendait. Je l'ai suivi tout du long. Jusqu'au bout. Jusqu'à un nouveau départ. Garde ton esprit ouvert. Recompose le passé. Sens le vent du changement. Notre unique choix est de nous détourner du passé. Regarde comme le passé et le présent s'alignent avec le cercle du temps. Chaque fragment doit être à sa place, jusqu'au dernier. Rien ne doit manquer.
civilisation a follement sombré jusqu'au chaos. Et nous seuls avons survécu.
Notre ancienne vie nous a conduits à la ruine. Pour avancer, nous devons vivre sans péché. Tu dévoileras la vérité. Et laisse-toi accueillir par notre nouvelle Éden. Nous sommes assez forts pour vivre dans ce nouveau monde que Dieu nous a donné. Tu dois détruire tout ce qui gêne la vérité. Seuls ceux qui ont compris les signes ont été épargnés. Et dans les cendres est né le nouvel Éden. La flamme de l'Éden brûle les péchés qui pourraient s'imposer à nouveau. Est-ce que tu comprends? Dieu a purifié le monde du péché, mais il est toujours là. Le péché est dans notre sang, notre chair, nos âmes. Dieu m'avait annoncé l'effondrement. J'ai réuni ma famille pour nous y préparer. Mais l'enfer avait suivi le cheval blanc, celui qui ne pouvait pas s'enfuir. Et mon chemin s'est fini ici. Ces murs. Mon adversaire d'alors est devenu mon unique compagnon. J'aurais pu le juger, mais au lieu de ça, je l'ai pardonné et je lui ai donné un nouveau but.
J'ai cru que j'avais rempli mon obligation envers Dieu. Mais il avait une dernière chose à me dire. Il m'a dit que ton âme serait digne. Dieu merci, on a retrouvé Rush. Sans lui, on n'aurait jamais réussi à défendre Prosperity contre les Ravageurs. C'est parti. Meta t'a rejoint ces malades masqués. Ils sont trop cruels. Ça, c'est une certitude. J'adore ma famille, mais des fois j'ai besoin de prendre un peu de temps. Rush et toi, vous êtes un cadeau du ciel.
quelqu'un m'entend ? Oh Seigneur, c'était pas croyable. Alors voilà, Carmilla. Oh mon Dieu, j'y crois pas. Rentre à la maison, chérie. Je te retrouve là-bas, d'accord? On va faire une surprise à maman. Merci, merci beaucoup, putain. Faut que vous compreniez, ça fait des mois que je suis enfermé là. Les ravageurs m'ont traîné jusqu'à ce campement pour m'obliger à bosser pour les jumelles. Faut que je rentre chez moi. Et j'ai un moyen de transport tout prêt pour ça. Allez, on se met en route avant que ces salopards repointent le bout de leur nez. En fait, moi c'est Nick. Ravi de vous rencontrer. Hé, suivez-moi. J'ai une idée. L'avion est planqué dans un hangar à bateau, juste en bas de cette colline. J'avais sorti pour des essais quand ces connards sont arrivés et m'ont chopé avec le froc sur l'échille. Pas littéralement, bien sûr. Ils m'ont traîné avec l'avion jusqu'ici et ils m'ont forcé à le réparer pour pouvoir l'offrir aux jumelles. Hey, l'ami, viens faire un tour avec moi. Ils m'ont fait bosser sur une réplique pour que les deux filles en aient un. Bref, je savais que mon seul espoir pour m'enfuir, c'était cet avion. Alors je l'ai bricolé sans m'arrêter. Bon, j'ai pas terminé, mais il démarre. Et on va s'en servir pour se tirer d'ici, hein, partenaire? Fait mal de le dire, mais va nous falloir bien plus d'aide que ça après ce que j'ai vu. Si on doit collaborer avec les fanatiques, vous devez savoir un truc. Avant que le monde explose... Allez vite, on se tire d'ici! Droit devant!
peut-être pas une si bonne idée. Accrochez-vous. Génial. C'était dingue. Merde. Les ravageurs. J'avais presque baissé les bras. J'aurais jamais cru. Merci, partenaire. Maintenant, on fait le plein et on rentre. Voyez cet abri? Arrêtez-vous là. Ok, ok, c'est parti. Carmina? Tu sais pas où peut être passée ma pince coupante? Kim. Je suis sûre que je l'ai rangée quelque part dans le coin. Attends. Oh, mais elle était là. Où est-ce que je l'ai foutue? T'as perdu quelque chose? Salut, chérie. Salut. Tu sais, si t'as du boulot, je peux revenir plus tard, non? Salut, Gabine. Salut. Merci. On a juste une tête pour se débarrasser des jumelles. On va changer leur confusion, je le sais.